Alors, le premier élément, ça nous vient du monde anglo-saxon. Et c'est pas un détail de le dire, le monde anglo-saxon considère généralement avec nos couleurs, hein, que la France persécute ses minorités. La France est le pays retardataire d'Occident aujourd'hui, le pays le plus violent, dit-on, envers ses minorités. L'URSS qui bulldozerait ses minorités d'aujourd'hui. Dès lors, si c'est la lecture qu'on fait dans le monde anglo-saxon, le voile islamique ici n'est pas vu comme un symbole d'avilissement, de régression de la femme. Le voile islamique est vu comme un symbole qu'on doit brandir comme symbole d'émancipation pour ces femmes et d'émancipation pour les minorités. Donc on se voile pour s'émanciper. On se voile pour marquer son identité. On se voile pour se révolter contre la France autoritaire. Premier message qui nous vient du monde anglo-saxon. Deuxième élément, qui n'est pas un détail dans tout cela, je note que ce sont les drapeaux, les couleurs françaises qui sont prises. Des couleurs françaises sont prises, mais islamisées. D'un point de vue symbolique, on peut dire que c'est une islamisation revendiquée et conquérante de la France. Votre drapeau, nous en emparons. Votre drapeau, nous le définissons à notre manière. Votre drapeau sera le nôtre désormais. Votre drapeau, nous le voilerons et nous l'islamiserons. Nous vivons dans le monde de Michel Houellebecq, mais bon, ça se passe en Grande-Bretagne. Ensuite, ce n'est pas un détail, les militantes de Némésis se mobilisent. Elles proposent une contre-image, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, ce sont des femmes, sous le signe de la féminité française, sous le signe de l'émancipation, pour qui, manifestement, l'expression du corps n'est pas vue comme une tentation terrible pour les hommes en toutes circonstances, pour qui on peut exposer son corps librement sans être dans la décadence absolue. Les militantes de Némésis décident de retourner l'image pour dire, finalement, voilà l'art de vivre à la française qu'on oppose à cette confiscation symbolique de la France par ce magazine de mode. Mais on dit aussi que les militants de Némésis sont des identitaires radicales d'ultra-droite. C'est le cas, non? C'est ce qu'on dit, en effet. Mais le fait est que je note qu'aujourd'hui, être un militant radical identitaire d'ultra-droite, ça consiste, par exemple, à poser comme slogan « Thomas tué par des barbares » ou encore dire « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi ». Apparemment, sur les slogans qui marquent l'ultra-droite aujourd'hui, on est quand même un peu loin de la définition classique du fascisme. Disons ça comme ça. Non, sérieusement, les militants de Némésis, leur combat, globalement, c'est de défendre les droits des femmes aujourd'hui qui sont compromis en certains lieux marqués par l'islamisation des banlieues, on le sait. Il y a des endroits notés aujourd'hui par à peu près tout le monde où globalement mieux vaut ne pas être une femme libre et française en France, en certains territoires, en certains lieux, pour des raisons culturelles, disons-le poliment, ou religieuses, disons-le poliment. Alors, le problème est le suivant, c'est que si c'est ça, l'ultra-droite, c'est ça, c'est simplement revendiquer le droit pour une femme française de vivre comme une femme française en France. Est-ce que revendiquer l'art de vivre français, est-ce que revendiquer cette différence anthropologique de fond qui, dans le rapport entre l'homme et la femme en France, sous le signe du drapeau national, c'est ça, être d'ultra-droite aujourd'hui? J'ai bien l'impression qu'au terme de cette année, nous serons tous d'ultra-droite, chère Christine.